Maintenant, on va passer bien sûr le message de Monsieur Bruno Joubert, le parrain de la 21 promotion, qui va être lu par Monsieur Desolas, le directeur de l'IFO. Monsieur le directeur général de la CFCIM, Monsieur le directeur de la REFO, cher Monsieur Abou Damir, Madame la consul honoraire de France à Oujda. Mesdames et messieurs, chers parents, mesdemoiselles et messieurs les lauréats, d'abord vous dire que je suis très touché et honoré d'être le parrain de cette promotion de l'EFA, la 21e. 21 ans, c'était autrefois l'âge de la majorité en France. Cette école, votre école, est donc majeure, à tous les sens du terme. Majeure parce qu'elle a mis au point un modèle désormais accompli par la qualité de son enseignement. Majeure parce qu'elle est une école d'importance qui compte au Maroc. C'est ce que disent les employeurs et les entreprises. Votre fierté d'en être des lauréats est donc pleinement justifiée. Permettez-moi donc de vous féliciter. Vous venez d'accomplir un parcours de 2 ans de formation, formation exigeante et solide. Votre diplôme de technicien supérieur en commerce et gestion est un très beau diplôme. Ceux d'entre vous qui comptez entrer sur le marché du travail, allez le mesurer très vite. Comme vous allez le voir aussi, l'important réseau des anciens de l'EFA, 1300 membres, vous apportera son appui. Churchill a dit « Je suis facile à satisfaire, je choisis le meilleur ». En vous choisissant, c'est ce que disent aussi les partenaires de l'EFA à propos de vos diplômes. Par-delà cet aspect qui est personnel à chaque élève, il y a aussi une dimension d'ensemble dans l'économie marocaine d'aujourd'hui qui se modernise à grande vitesse, qui s'ouvre et se mondialise. Il y a un fort besoin de compétences, de ceux qui savent de quoi ils parlent, de gens professionnels, fiables, ouverts à leur environnement et responsables dans leurs fonctions. Ces professionnels qualifiés sont encore en nombre insuffisant avec les perspectives de l'industrie, les plans sectoriels, automobile, aéronautique, informatique. L'économie marocaine va réclamer de plus en plus de tels cadres. Les besoins sont considérables. Vous êtes ces cadres. Vous répondez à ce besoin. Vous allez à la fois bénéficier de belles perspectives, mais aussi vous allez, grâce à votre diplôme, servir le Maroc, son essor, sa prospérité. N'oubliez jamais que par votre formation, par votre talent, vous serez les principaux acteurs de l'expansion de votre pays dans un monde nouveau, en constante évolution. La difficulté pour votre génération ne sera pas de comprendre les idées nouvelles, mais de savoir repousser les anciens préjugés pour mieux avancer partout où vous serez. C'est fondamentalement en raison de cette ambition de bâtir un Maroc à la pointe qu'existe l'École française des affaires. Elle est aussi pour cela l'une des expressions directes du souhait de la France que je représente d'apporter une contribution à cet effort sans précédent entrepris au Maroc. Cet effort se mesure à l'importance des entreprises françaises. Contribution à la modernisation à l'emploi, 100 000, apport de technologie. Il se mesure également à l'effort de formation. La France soutient le grand chantier éducatif marocain, dont la priorité nationale a été rappelée récemment par Sa Majesté le Roi lors du discours du trône. Notre aide à l'enseignement au Maroc prend diverses formes, mais approche les 600 millions de dirhams. L'École française des affaires est une des formes de cette coopération, de ce partenariat, coopération avec la CFCIM, la CCI de Seine-et-Marne, l'ambassade de France. Dans le contexte de l'enseignement supérieur au Maroc, l'EFA se doit de rester à la pointe face à la concurrence de nouveaux établissements, pas toujours facile à cerner d'ailleurs, à cause de l'abus des sigles hautes études ou écoles supérieures. L'EFA n'a pas besoin de titres ronflants, mais doit seulement savoir, elle, marquer sa différence, maintenir ses exigences de qualité et de sélectivité. C'est tout l'enjeu de la pérennité de votre école qui dispose de tous les atouts pour s'adapter, et je sais qu'elle y réussira. C'est pourquoi mon propos ne serait pas complet si je n'adressais pas aussi mes félicitations et mes encouragements à votre corps enseignant, M. Barkat, M. Bouchiri, à vos professeurs pour leur implication et leur travail à vos côtés. Je les en remercie. Grâce à eux, l'EFA et cet établissement de renom, grâce à eux, ils s'adaptent, évoluent. En guise de conclusion, permettez-moi de me tourner vers vous au moment où vous partez et entrez dans le monde de l'entreprise avec un conseil. Commencez à fond et ensuite accélérez. Vous le pouvez.